Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vie détente. Et cette vie détente va porter sur Keep Talking and Nobody Explodes sur PC. Alors Keep Talking and Nobody Explodes, donc le fameux jeu qui se joue en coopération où un joueur va essayer de désamorcer une bombe tandis que l'autre joueur va essayer avec le manuel de donner les indications claires et précises au joueur qui détient la bombe pour tenter de faire en sorte que celui-ci désamorce cette bombe. Donc, vous l'avez compris, ce jeu se joue en tout cas en coopération. Donc, pour faire la vidéo, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné de deux acolytes notamment. Il s'agira donc de Gottman ainsi que de Lokunrad. Et d'ailleurs, je les en remercie énormément de s'être prêté au jeu de Keep Talking and Nobody Explodes. Donc ceci a été fait donc sur la chaîne du Kunrad, je lui en remercie. D'ailleurs, le lien de sa chaîne Twitch sera mis en description. Si vous voulez à un moment donné lui passer faire un petit coucou, etc., je pense que ça lui ferait grandement plaisir. Donc merci en tout cas à lui de s'être prêté au jeu. Donc du coup, pour ce jeu-là, ce sera le Kunrad qui aura la bombe en face de lui. Et moi et Gottman, on essaiera donc de lui donner les indications pour faire en sorte que la bombe n'explose pas. Et donc pour cette vidéo, sachez qu'elle sera coupée en deux. Enfin, il y aura un écran splitté, on va dire, où vous verrez le live du Kunrad. Et de l'autre côté, je mettrai le manuel. Comme ça, vous aurez les deux en même temps. Vous aurez et la bombe et le manuel. Comme ça, vous verrez si on a bien réussi notre coup ou pas. Voilà, on a essayé de faire de notre mieux. Je vous avouerai, on a eu beaucoup de fails aussi. Beaucoup de réussites, beaucoup de fails. Enfin, en tout cas, vous allez voir la vidéo, comment elle se procède, comment elle se compose. Et puis je pense qu'on va pas perdre de temps, je pense qu'on va tout de suite lancer le jeu. Voilà. Allez, je vous laisse avec la vidéo donc du Kunrad et je vous retrouve en fin de vidéo. Lance. C'est parti. Direct les modules. C'est parti. Alors j'ai deux modules avec des symboles. Vas-y pour toi, Gottman. Alors le premier module avec les symboles, j'ai une sorte de A avec un petit T à l'intérieur. Ok, c'est bon, je sais déjà. Après, j'ai une sorte de... comme l'alien, le triangle à l'envers avec les trois pattes et qui tient une sorte de barre. Après, dis-toi qu'on dirait une sorte de petite montagne. Enfin, je sais pas comment... Avec un trait. Voilà, et après, une sorte de M, mais écrit, tu sais, à l'ancienne, tu sais. Ça faut commencer par le A. Ouais. Ensuite, la montagne. Ouais. Ensuite, le N. Ouais. Non. Pas bon, c'est pas bon. Ah bon? Attends. Ça doit être le triangle alors. J'ai pas compris. Faut commencer par la montagne avec le A. Ouais. Ensuite la montagne avec le trait. Ouais. Ensuite le N un peu à la Harry Potter. Mais c'est pas celui-là, c'est pas M. C'est que j'ai, ça m'a fait non, erreur. Ça doit être le. Ça doit être le tentacule, je pense. Attends. Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Non, j'ai compris. Allez, pareil, le deuxième module, c'est pareil, c'est le même. Oui. Alors, le deuxième module. Alors, c'est un C dans un cercle. Après, on dirait un paire de seins. Paire de seins, je sais pas du tout. On dirait une sorte de. Je sais pas, de. J'adore ta description. Non, une sorte de. Je sais pas, merde. On dit 3, c'est un chiffre de 3, mais 3, mais genre dessiné à l'arrache, tu vois, à l'envers. Avec une sorte d'oreille, putain. Oui, non, mais j'ai compris. Voilà. Après, j'ai la sorte de montagne, comme on avait. Et après, on a une sorte de 3, mais genre. Le bas du 3, il est dessiné à l'arrache en forme d'éclair, là. Faut se bouger là. Tu m'as dit C. Ouais. Bizarre. Sorte de paire de seins. Ouais. Ensuite, il y a quoi d'autre? Et le sorte de 3. Comme si tu faisais un chiffre 3. Comme si tu faisais le haut, mais que le bas, genre, tu dérapes en forme d'éclair. Ok. Ouais, j'ai pas trouvé. Oh putain. Le 3 avec l'éclair et puis la montagne. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, c'est quoi? Attends. La paire de seins, est-ce que ça forme une sorte de 3 à l'envers? Ouais, c'est ça, vas-y. Donc ça commence par paire de seins. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, c'est avec un rond. Un C. Ouais, après. Ensuite paire de seins. Ouais. Ensuite le 3. Ouais. Et l'autre. Ensuite, putain, il me reste. Allez, il me reste deux. Maintenant, j'ai deux câbles. J'ai deux modules avec des câbles, Totof. Un câble jaune, deux câbles blancs, deux câbles noirs et un câble blanc. À l'horizontale, hein, c'est ça? À l'horizontale, ouais. Ok, combien de fils? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 fils. Alors, est-ce qu'il y a un fil jaune? Oui, il y a un fil jaune. Putain, on va pas avoir le temps. Un fil jaune. Alors,
Est-ce qu'il y en a qu'un seul de fil jaune? Ouais, il y en a qu'un seul, ouais. Est-ce qu'il y a plus d'un fil blanc? Oui, il y en a trois. Il y en a trois. Tu coupes le quatrième fil en partant du haut. Ok, maintenant l'autre module. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 fils à l'horizontale. 6 fils à l'horizontale aussi. Donc pareil, est-ce qu'il y a un fil jaune? Oui. Il y en a. Attends, est-ce qu'il y en a qu'un seul? Oui, il y en a qu'un seul. Oh putain, il va rester une minute. Plus d'un fil blanc? Il y en a 3, ouais. Et tu te coupes le quatrième. Ok. Maintenant, j'ai deux boutons appuyés là. Un bouton appuyé bleu. Je reste appuyé dessus? Alors attends, un bouton appuyé bleu et marqué quoi dessus? Appuyé. Appuyé. Tu vas maintenir le bouton. C'est blanc. Blanc, alors blanc, hein? tu relâches le bouton quand il y a un affiché au chrono. C'est bon. L'autre c'est explosé. Bouton rouge, explosé. Je reste appuyé dessus? Explosé, alors attends. Est-ce qu'il y a plus d'une pile sur la bombe? Je vois pas de pile. Je vois pas de pile. Si, il y en a une. T'es resté 6 secondes. Il y a une pile. Je suis mort. Ah, on était au dernier module. On a perdu du temps. C'est pas grave. C'est moi qui explique mal les symboles, c'est pour ça. Non, mais en fait, c'est pas ça le problème. C'est qu'il y avait 2-3. Il y a deux formes de 3. Ah, d'accord. Bon, attends, on va le refaire. Hein. C'est pas grave. Allez, c'est pas grave, vous êtes prêts? J'ai aussi confondu le C avec le... Moi je suis toujours prêt. Vas-y, moi je suis prêt. Allez, Gottman, j'ai 4 symboles. Un point d'interrogation à l'envers. Oui. Un sorte de chiffre 6. Un sorte de chiffre 6, ok. Un sorte, comme tout à l'heure, I majuscule avec un sorte de B fusionné. Oui. Et l'alien avec les 3 pattes qui tient un bar. Ok. Donc, tu commences par le 6. Ouais. Ensuite le T, B, bizarre. Ouais. Ensuite l'alien. Ouais. Et le... Ok, maintenant Totof, j'ai 3 câbles. J'ai un câble bleu. Non, 4, pardon. Un câble. 4, pardon. Un câble bleu, un câble noir et 2 blancs. 4. Bleu, noir et blanc, c'est ça? Bleu, noir, blanc, blanc. Alors attends. Bleu, noir, blanc, blanc. Tu coupes le premier fil. C'est bon. Après, j'ai encore. Allez, Gottman, j'ai des symboles. J'ai une étoile. Une sorte de E avec deux petits points au-dessus. Ah, une étoile remplie ? Non, une étoile vide, creuse. Ok, c'est bon. Une sorte de E avec deux petits points. Une sorte de L avec la boucle là, tu sais. Oui, je vois. Et une sorte de M, comme je t'avais dit, bizarre là. Ok, donc commence par le E. Ouais. Ensuite le L. Le quoi ? Le L ? Le sorte de C, c'est bizarre. Ouais, après. Après l'étoile. Allez, c'est bon. Après Totof, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 fils à l'horizontale. Alors attends, est-ce qu'il y a un fil jaune? Non. Il n'y a pas de fil jaune. Est-ce que le dernier chiffre du numéro de série est impair? Putain, le dernier chiffre, c'est un 3. Ouais. C'est un 3, donc c'est impair. Tu coupes le troisième fil en partant du haut. C'est bon. J'ai deux boutons. J'ai un bouton explosé bleu. Alors attends, bouton explosé bleu. Voilà. Est-ce qu'il y a plus d'une pile sur la bombe? Combien il y a de piles? Il y en a deux. Il y en a deux. Tu appuies sur la chimie immédiatement. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Attends, le bouton est marqué explosé, c'est ça? Ouais, ouais, bleu. Et il y a deux piles. Bleu. Il y a deux piles. Ouais. Putain, deux piles. Ouais, ouais, deux piles, ouais. C'est ça? J'appuie, je relâche immédiatement. Ah, c'est bon, pardon. Maintenant, bouton maintenir rouge, pareil. Alors, maintenir rouge. Alors, attends. Maintenir. Est-ce qu'il y a les lettres FRK? Je regarde. Non, c'est NSA. Non, c'est marqué si le bouton est rouge et marqué de maintenir, appuyez immédiatement, relâchez le bouton. Attends. Ouais, c'est ça. Vas-y, tu appuies et tu. GG. C'est bon. GG. On a réussi. GG. Là, tu commences à comprendre l'histoire du bouton. Ouais, non, là, j'ai compris le bouton. Ah, mais il est trop bien le jeu. Pour l'instant ça va parce que c'est les modules les plus simples. Ouais, mais c'est trop bien. Mais c'est bien. Allez, vas-y, maintenant. Il y a 4 modules et 3 erreurs. 4 modules, ok. C'est parti. Ça va être les plus compliqués, je pense. On va juste avoir des plus compliqués. Godma, j'ai des images, hein. T'as des images, alors vas-y. C'est parti. Alors, Gottman, j'ai un symbole, point d'interrogation à l'envers. Oui.
une sorte de P, avec, genre le P il est noir. D'accord, j'ai l'alien comme d'habitude avec la barre là. Et j'ai une sorte de I majuscule avec des sortes de tentacules qui se croisent en croix. Commence par le P. Ouais. Ensuite l'alien. Ouais. Ensuite le I. Le I ou le point d'interrogation? Le I avec les tentacules. Ouais, et le point d'interrogation. Nickel, c'est bon. Totof, j'ai des câbles. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 câbles. 6 câbles. Horizontal. Il y en a 2. Il y en a 2. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Il y en a 2. Il y en a 2. Tu coupes le quatrième en partant du haut. C'est bon. Maintenant, j'ai pareil le labyrinthe là. Le labyrinthe. Ah, labyrinthe. Tu veux le faire, Gottman? Non, je vais. On va okay. Faire. Non, alors je m'en occupe. Alors attends, je me mets dessus. Alors. Je me mets dessus. Il est là. Alors vas-y, décris-moi les cercles, ils sont où? Alors la ligne A, c'est-à-dire la rangée tout en haut, A, 1, 2, 3, 4, A5. De gauche à droite, hein, je dis les chiffres. Hein. Ok, je vois le deuxième. Et c'est parti. Ça va être les plus compliqués, je pense. On va juste avoir des plus compliqués. Mais... Godman, j'ai des images. Hein. T'as des images, alors vas-y. C'est parti. Alors, Godman, j'ai un symbole, point d'interrogation à l'envers. Oui. Une sorte de P, avec, genre le P, il est noir. C'est noir, oui. D'accord, j'ai l'alien, comme d'habitude, avec la barre, là. Oui. Et j'ai une sorte de I majuscule avec des sortes de tentacules qui se croisent en croix. Commence par le P. Ouais. Ensuite, l'alien. Ouais. Ensuite, le I. Le I ou le point d'interrogation? Ouais, et le point d'interrogation. Nickel, c'est bon. Totof, j'ai des câbles. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 câbles. 6 câbles. Est-ce horizontal. Qu'il y a il y en a 2. Il y en a 2. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Il y en a 2. Il y en a 2. Tu coupes le quatrième en partant du haut. C'est bon. Maintenant, j'ai pareil le labyrinthe là. Le labyrinthe. Ah, labyrinthe. Tu veux le faire, Gottman? Non, je vais. On va okay. Faire. Non, alors je m'en occupe. Alors attends, je me mets dessus. Alors. Je me mets dessus. Il est où? Il est là. Alors vas-y, décris-moi les cercles, ils sont où? Alors la ligne A, c'est-à-dire la rangée tout en haut, A, 1, 2, 3, 4, A5. De gauche à droite, hein, je dis les chiffres. Hein. Ok, je vois le deuxième. Et A, B, C, D, E, E, 3. E, 3, ok, je vais. Ton point blanc, il est où? C'est A, 1. A, 1. Et ton triangle? C'est le D. 5. D5. Ok, alors tu vas aller en bas. Ouais. En bas. Oui. En bas. Ouais. À droite. Ouais. En bas. Ouais. À gauche. Ouais. En bas. Ouais. 3 fois à droite. 2, 3, c'est bon. Attends, je recompte 4 fois en haut. 1, 2, 3, 4, c'est bon. Une fois à droite. Ouais. En haut. Ouais. À droite. Ouais. Deux fois en bas. Ouais. À gauche. Ouais. Et en bas. Nickel. Maintenant j'ai des chiffres. J'ai un écran avec un chiffre 4 et en dessous j'ai 4 chiffres. 1, 4, 2, 3. Ah, oh, c'est chiant. C'est quoi ça? C'est un memory. Ok. Alors attends, tu vas me dire. Ouais, donc quel est le gros chiffre qu'il y a au milieu? 4. 4. C'est un 4. Tu appuies sur le bouton qui se trouve en 4ème position. C'est bon. Maintenant j'ai le chiffre. J'ai le chiffre 3 maintenant. Le chiffre 3, tu vas appuyer sur le bouton en première position. Ok. Ah oui, oui, je vois. Maintenant j'ai le chiffre 1. Le chiffre 1. Tu appuies sur. Alors le bouton en 4ème position, c'était quoi comme chiffre? Tu te rappelles à l'étape 1? Je sais plus. Tu sais plus. Ah, c'est à memory en plus, ça change à chaque fois. Ouais, c'est à memory, c'est ce que j'ai dit, ouais. C'est à 2? Non, c'est l'étape 1. Non, c'est l'étape 2. Là, c'est... Non, on est à l'étape 3. Là. Là, on est à l'étape 3. Ouais, on est à l'étape 3. Et c'est chiffre 1. Chiffre 2. 1. Non, donc c'est l'étape 2 alors. À l'étape 2. Donc à l'étape précédente, tu avais quoi comme chiffre? Je crois que c'est 2, je suis pas sûr. C'est 2, ben, puis sur 2 alors. Non, c'est pas bon. Putain. Bon, on recommence alors. On recommence. Allez, 2, 4, 3, 1. Et c'est chiffre 1. 24, 31. 1, donc tu appuies sur le bouton en deuxième position. 24-31. 24-31. Maintenant c'est le chiffre 4. Chiffre 4. Tu appuies sur le bouton sur la même position qu'à l'étape 1, donc sur le deuxième bouton. C'est bon, 24-31. Allez, vas-y.
Maintenant c'est le chiffre 1, 24, 31. Chiffre 1. Appuyez sur le bouton, il y a le même chiffre que l'étape 2. Même chiffre que l'étape 2. 24, 31. 1. Mais non, mais c'est pas ça, putain. Non, c'était l'étape 2, pas l'étape 1. Ah, merde, fais chier. C'est le 2. Chiffre 2. Donc le bouton en deuxième position. 41, 23. 41, 23, 41, 23. Le 1 maintenant. Le 1. Tu vas appuyer sur le bouton numéro 4. Celui qui a le numéro 4. 41, 23. 41, 23, 23, 41. Le 4. Le 4, tu vas appuyer sur le bouton qui a le numéro 4 également. Et là, c'est le 42, 13 et c'est chiffre 2. Chiffre 2. Il reste 10 secondes. En première position. Ouais, il reste... Putain, vite, il reste 3 secondes. Le chiffre... Le chiffre 2, ah. Mais mec, c'est trop chaud. C'est trop chaud, ce truc de memory, là. Oh, mais le memory, mec, il est trop chaud. Ouais, faut qu'il y en ait un qui note les chiffres. Ouais, parce que sinon, on va jamais y arriver. Ah ouais, faut qu'il y en ait qui note les chiffres, parce que je vais pas réussir, sinon. Note... Ok. Ça marche. Parce que moi, j'arriverai pas à retenir avec le stress, gros. Juste faut que tu dises tous les chiffres. Ouais, je dis les chiffres. Ok. Tu vois ce que c'est, hein, Got. Allez, Got, c'est pour toi. Alors. Alors, il y a une sorte de alter, hashtag, si tu préfères. Un hashtag, oui, je vois. Okay. Un E à l'envers avec deux points dessus. Oui. Un N à l'envers avec une sorte de deux points, avec une sorte de smiley. D'accord. Et après une sorte de tête, enfin une sorte de, comment dire, de tête avec des épaules, tu sais, une sorte de, comme c'est une tête quoi. Donc, je commence par le E à l'envers. Ouais. Ensuite l'alter. Ouais. Ensuite le N. Ouais. Ah oui, et la tête. Ok, maintenant Got, pardon, j'ai 4, attends, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 6 câbles horizontales. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Oui, il y a un fil jaune. Il y a un fil jaune, il y en a qu'un? Ouais, il y en a qu'un, ouais. Est-ce qu'il y a plus d'un fil blanc? Il y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul, donc c'est pas celui-là. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Il y en a trois. Il y en a trois. Tu coupes le quatrième fil en partant du haut. C'est bon. Maintenant, j'ai une sorte de jeu, tu sais, de mémoire, là. Rouge, bleu, jaune, vert. Et ça clignote jaune. C'est un Simon, c'est ça? Ouais. Je travaille chez McDo. Alors, tu, parce que j'ai trouvé avec mon manager le coup. Et le jaune qui clignote. Ouais, c'est le jaune. C'est le jaune. Est-ce que le numéro de série contient une voyelle ou pas? Le numéro de série, une voyelle, enfin c'est J31CT9. J31CT9, donc il n'y a pas AEIOU. AEIOU, non, il n'y a pas, non. Il n'y a pas. Tu m'as dit que c'était jaune hein, qui s'allumait, ouais, ça. Ouais. Donc tu appuies sur le bouton rouge. Ouais. Et là, il y a le jaune qui a clignoté deux fois. Jaune deux fois? Ouais. Tu fais rouge, rouge. Rouge, rouge. Et là maintenant il y a deux jaunes qui a clignoté et un vert. Alors tu fais rouge, rouge, vert. Et là. Et là c'est deux fois jaune, deux fois vert. Rouge, rouge, vert, vert. C'est bon. J'ai un module. Alors là il y a marqué non. Et en bas il y a six dominos. Il y en a un et il y a marqué suivant. Quoi, ton, t'es, toi, comme. Ok, je vois ce que c'est. C'est le jeu de mots. Alors attends, je me repère. Il est là. Tu m'as dit qu'il y avait quoi sur le... Non. Sur l'écran, il y a marqué non. Non. Non, il est là. Tu vas appuyer sur le bouton qui se trouve en bas à droite. En bas à droite, c'est comme. Ok. Non, c'est faux. C'est pas bon. C'est faux. Oh merde. Tiens, ça remélange tout. Ça a changé. C'est moi. Ça a changé. Maintenant, c'est bouge, le mot principal. Et comme case, il y a droite, rien, appui, oui, près, gauche. Attends, bouge, tu m'as dit. Ouais. Bouge, comme bouger quelque chose. Bouge. Alors, c'est celui-là. Après, il faut que Gottman, s'il veut participer, tu peux, hein. Oui, je cherche. Alors, ok. Tu vas me dire. Alors, tu vas pas appuyer dessus, tu vas juste me dire qu'est-ce qu'il y a d'inscrit sur la case au milieu à droite. Au milieu à droite, il y a oui. C'est marqué oui. Oui, hein, oui. Alors. Alors, je vais te dire des mots et tu vas appuyer sur le premier mot que tu vois. Ouais. Ok, alors E, droite. C'est bon, droite, c'est bon. Avec 3 H. C'est bon. Bon. Non, c'est un nouveau mot maintenant, c'est OK. OK. OK.
Et il reste moins de... Tu vas me dire le mot qui se trouve en haut à droite. C'est T. T. Alors comment tu l'écris? Genre T'es con. T apostrophe S. Okay. T apostrophe S. Alors pareil, je vais te dire des mots, tu vas me dire, tu vas appuyer sur le mot. Allez, vite, vite. Alors F A I T. T-T-E-S. C'est bon. Ah putain, ça a foiré. Ah mince. Vite, putain, vert. Genre V-E-R. Alors V-E-R, tu vas me dire le mot qui se trouve en bas à droite. Rien. Rien. Alors attends, rien. Pareil, je vais te dire des mots à nouveau. Alors il y a O, O, U, 3 H. Après. O, tout seul. Non. Milieu. Non. Oui. Oui. Je suis mort. Ah, foot. J'ai explosé. J'ai explosé direct. Oh non, mais c'est horrible ces jeux là. Alors Gottman, je sais pas si t'avais compris le jeu là du... Oui, j'avais compris. En gros, première étape, faut trouver un deuxième mot, premier ou non ou quoi que ce soit. Ensuite, faut mettre tous les noms que tu trouves. Et ensuite, quand tu cliques dessus, tu vas avoir un nouveau nom et tout. J'ai compris à peu près. Alors en fait le truc c'est que Conrad a son mot, nous grâce à son mot on voit que l'espèce d'œil là, le mot qui doit nous dire nous, et une fois qu'il a dit notre mot, nous on descend à la page du dessous à l'étape 2, on d'accord. se réfère au mot qu'il nous a dit, et nous on va lire la liste de mots qui se trouve à côté, et il faut que Conrad appuie sur le premier mot de la liste qu'il entend. J'avais pas vu que les deux fiches en fait c'était étape 1 et 2. Moi, il y a deux étapes. Donc oui j'ai compris du coup. Allez, on recommence. Ouais. Ah, c'est trop bien. Alors, bon, là, par contre, ça va être compliqué. Là, les. Oh putain. Bon, on a deux modules avec des câbles. Il y en a le premier. Il y a six câbles. Des câbles. Alors, attends, six câbles. Est-ce qu'il y a un fil jaune? Il y en a deux. Il y en a deux. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Il y en a deux. Et deux bleus. Tu coupes le quatrième en partant du haut. Après, l'autre module avec des câbles. Il y en a pareil, il y en a 6. Il y a 6. Un noir. Est-ce qu'il y a un jaune? Oui. Est-ce qu'il y en a qu'un seul? Ouais, il y en a qu'un seul, ouais. Est-ce qu'il y a des fils blancs? Non. Non. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Il y en a deux. Il y en a deux. Tu coupes le quatrième fil en partant du haut. Après, il y a le labyrinthe. Le labyrinthe. Alors, labyrinthe. A. Alors, le premier cercle, c'est A. A5. Et après le deuxième c'est E3. Ton point est où? E5. E5, ouais. Et ton triangle rouge? D1. D1. Alors tu vas monter deux fois. Ouais, après. À droite. Oui. Deux fois en haut. Vas-y. À gauche. Vas-y, enchaîne. Hein. En bas, à gauche. Ouais. 4 fois en bas. Ouais. 3 fois à gauche. Une fois en haut, une fois à droite, une fois en haut. Attends. En bas, après t'as dit quoi à gauche? Je sais plus où tu es, il est où ton point blanc? En bas, tout à l'heure en bas. Le dernier rangé, attends. A, B, C, D, en E, F. F, F2, ouais. F2, alors à gauche. Ouais. En haut. Ouais. À droite. Ouais. En haut. Ouais. À gauche. À gauche. Putain, je me trompe encore une fois, je suis mort quoi. Oh, c'est compliqué. Putain, ouais, c'est bon. Alors là, maintenant, c'est comme tout à l'heure avec les OK là, avec les le mot là. Ah, le okay. Mot. OK. Je donne mot. Alors, tu as OK, c'est ça? Ouais. Alors, OK, tu vas me lire le mot qui se trouve en haut à droite. Milieu. Milieu. Alors, tu pareil, je vais te dire les mots. Vas-y. Tu appuies sur le premier que tu vois. Vide. C'est bon. Maintenant, le deuxième mot. Ça va être un mot. M-O-T-S. M-O-T-S. Alors attends, M-O-T-S, M-O-T-S. Tu vas me lire le mot qui se trouve en haut, en bas à droite. En bas à droite, c'est E. E-U-X. E-U-X. Alors pareil, je vais te donner un mot. Alors, E-U-3-H. Non. E-U-X. Non. Gauche. Oui. Je suis mort. Oh. Ouais. Super compliqué ça. Ah c'est chaud hein. Ouah c'est chaud. Ouais. Oh, c'est planté encore. Ah putain, allez vas-y on recommence, c'est pas grave.
Allez, Godman, c'est pour toi. J'ai des symboles. J'ai un I majuscule avec un B fusionné. Okay. J'ai le P avec le P en noir, là. Oui. J'ai l'alien avec le bâton. Oui. Et j'ai le I majuscule avec les deux tentacules qui se croisent. Ok, donc P noir. Ouais. B. Ouais. Alien. Ouais. Et hop. Après, maintenant, j'ai les trucs de couleur, maintenant. Qui clignotent en rouge. C'est ça. Ouais. Alors, le Simon. Quel bouton s'allume? Le rouge. D'abord, est-ce qu'il y a une voyelle sur le numéro de série? Un numéro de série. Alors, fais un numéro de série. GBV4MT9. Non. Il n'y a pas de voyelle. Tu m'as dit que c'était quelle couleur? Rouge. Rouge. Tu appuies sur le bouton bleu. Ok. C'est bon. Et là, ça clignote rouge-jaune. Alors, tu fais bleu-rouge. Voilà. Là, c'est rouge-jaune-jaune. Bleu, rouge, rouge. Là, c'est bon. Alors, maintenant, j'ai des câbles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 câbles. 6 câbles. Un fil jaune ? Ouais. Tu as 15. Un fil jaune. Il y en a qu'un seul ? Ouais, il y en a qu'un seul, ouais. Est-ce qu'il y a des fils blancs ? Oui, il y en a un. Il y en a un. Est-ce qu'il y a un fil rouge ? Oui. Tu coupes le quatrième en partant du haut. Bon, maintenant j'ai les mots. Encore. La lettre C. C'est juste la lettre C. Juste la lettre C. Ouais. Alors, c'est en haut à droite. Ouais, c'est ça, en haut à droite. Ok. Et c'est quoi ? C'est ok ? Ok. Ok. Alors, ok, il y a ton. T-H-O-N. Oui, T-H-O-N. Fait, F-A-I-T. C'est bon. Alors, c'est bon. Fait, ça c'est bon. Deuxième mot. Vert. V-E-R-R-E, comme à boire. Un verre à boire. V-E-R-R-E en bas à droite. Attends. Ouais. Attends. Ouais. Attends, c'est E avec E-U et 4-H, 3-H. Non. Vide. E seulement. Oui. Gauche. Premier. Appui. E. Attends, appui. Ah non, c'est pas ça. Ça change. Ah. C'est rouge. Maintenant, rouge le mot. C'est milieu droite. Milieu droite, c'est T. T apostrophe ES. P-F-A-I-T. Ah oui, F-A-I-T, c'est bon. Allez, c'est le dernier, il reste 2 minutes si encore. Jules aimait ma photo, c'est parce que alors, je suis son patron. Le mot c'est alors, rien. F-I-T. Toutes mes photos. Parce que Jules. Gauche. Oui. Excuse-moi. C'est quoi ? Oui. C'est oui. O-I. Ok, donc c'est. Il y a E tout seul. Ok. Droite. E-U-3-H. Non. Milieu. Premier. E-U-I. Prêt, c'est bon, GG. Bravo, il restait 1 minute 34. C'est bon, oh, génial. Génial, GG, GG, God. Il a compris le module du jeu de mots, c'est bien. GG. J'ai pas compris le Simon. Ah, Godman, t'étais pas en stress à un moment donné ? J'étais en stress. Simon, tu veux que je t'explique, Godman ? Ouais, explique-lui, t'adore. Le Simon, en fait, déjà, faut lui demander à Kounrad s'il voit une voyelle dans le numéro de série. Ouais, j'ai remarqué qu'il y avait... Ouais. Une fois qu'il l'a fait, ça dépend en fait du nombre d'erreurs qu'il a. Il va voir, lui, un voyant qui s'allume, un flash qui s'allume. Et nous, bah, selon le flash qui s'allume, bah, il faut qu'on lise justement la couleur qui doit appuyer. Putain, je vais me chercher à boire, je reviens deux secondes. Si par exemple, le flash, il est rouge et qu'il y a une erreur, c'est jaune. Si le flash est rouge et qu'il y a qu'une erreur, c'est jaune s'il y a une voyelle dans le numéro de série. Sinon, c'est rouge. C'est rouge. Ok, j'ai compris. Intermédiaire. T'écoutons. Alors, oh putain, j'ai un bouton annulé qui est jaune. Alors, le bouton... Annulé. Et le bouton... Bouton annulé jaune. Là, ça va être surtout si le bouton est jaune. Si le bouton est jaune, maintenez le bouton appuyé et... Ouais, tu appuies le bouton, tu laisses appuyer, tu nous dis la couleur qui est à côté. C'est bleu. Bleu. Tu relâches le bouton quand il y a un 4 affiché sur le chrono. Ok. Faut que j'attende 3 secondes.
C'est bon. Maintenant, j'ai une sorte de radio comme deuxième module. Une radio avec 3505 MHz. Ok, ça va avec le morse. C'est ça. Donc, Et attends, il y a le réveil qui sonne. Tu vas nous dire si les lumières sont courtes ou longues. Si ça reste, ça reste allumé longtemps ou pas. Non, ça clignote le morse. Oui, mais tu vas nous dire si c'est des clignotements longs ou courts. C'est des... Bah, je sais pas, c'est des clignements courts. Courts, mais combien? 2, 3. Combien de 3. C'est par fréquence de 3. Ok. Mais je sais pas, on dirait que c'est bugué. Quoi? Non, t'inquiète. Vas-y. Donc, ensuite. Et il y a marqué TX aussi comme bouton en dessous. Non, ça je m'en fous. C'est surtout la lumière qui va être importante. En fait, tu vas avoir. La lumière va clignoter d'une manière différente. Ouais, mais elle clignote bizarre comme si ça buguait quoi. Et il va falloir que tu nous dises si c'est des courts ou des longs. Si ça reste allumé longtemps ou pas. Non, ça reste pas allumé longtemps. Mais c'est, ça fait quoi? Ça fait. Putain, mais il y a la lumière. T'as la lumière et c'est. T'as la lumière et c'est éteinte. C'est où qu'on allume? Là, on a une chance. Elle va s'allumer toute seule la lumière. Ah, c'est bon. C'est quoi alors? Ah non, on a pas une chance sur 3, on a plus une chance, mais il faut qu'il nous explique en fait ce qu'il voit, notamment avec la lumière. En fait, ça clignote 3 fois. Attends, ça s'arrête, ça clignote 2 fois, ça s'arrête. Ok. Oui, mais ça clignote pas de la même manière. Non, ça. Oui, ça clignote vite fait quoi. Ça clignote vite quoi. Ouais, ça clignote vite, mais justement, c'est à toi de nous dire ça clignote très vite ou. Lentement, tu vois. Alors, les 3 premières clignotent vite, il y a une pause de 2 secondes et ça clignote vite quoi. En fait, nous, on a un mot de 5 lettres qu'on doit te faire comprendre. Et c'est grâce à ce code morse qu'on va pouvoir te faire comprendre. Mais il faut qu'on arrive à déchiffrer. Ah, c'est trop chaud, gros. C'est trop chaud. Attends. Bah, attendez, on fait un autre truc. Allez, vas-y. J'ai les chiffres, là. Tu sais, l'écran OUI. OUI. O-U-I. Avec des mots, là. O-U-I. O-U-I. Tu vas me dire le mot au milieu, à gauche. C'est attends. Alors, je te dis les mots. Alors, E, 3H. Non. Non. Oui. Vide. Allez, vas-y, c'est bon. Prochain mot, c'est ton, T-O-N-S. Milieu droite. Milieu droite, c'est rien. Rien. Il y a E, E, U, 3H. Droite. Non. Milieu. Ouais, milieu, oui. Allez, maintenant, dernier mot. C'est mot M-O-T-S. Bas à droite. En bas à droite, c'est rien. Rien. E-E-U-H-H-H. Non. Droite. E, milieu, oui, vide, non. Appuie. Non. Ah putain, c'est pas ça. Ça change. Putain, mais t'as la musique, elle est plus forte que moi. C'est OK maintenant. En haut, suivant. Suivant. Ouais. Suivant. Quoi avec point d'interrogation? Non. Avant. Quoi sans point d'interrogation? Oui, c'est bon. Maintenant, le morse, ça fait. Attends, ça fait 1, 2, 3. Ça, j'arrive. Court, c'est des trucs courts, c'est des trucs courts. Oui, c'est bip, c'est bip, 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 bip. Hein? Je crois que ce serait si. Non, mais il y a que si. Et c'est où que je le. Et c'est où que je le. Il reste 5 secondes! Alors, on va tenter mieux sur 3500. Oh putain! Je suis mort! Non, mais mec, le morse c'est trop chaud! Et le morse, en fait, le problème c'est que. Je crois qu'il faut le faire vraiment au bon moment. Non, c'est bizarre. En fait, le morse, faut vraiment le faire en dernier, quoi. En fait, faut vraiment qu'on arrive à décrire ce qu'il voit avec le code morse. Je crois qu'il vaut mieux justement le faire en premier. Mieux faire les... Non, c'est mieux faire d'avoir le truc. Bon, attends, ça commence. Alors, maintenant, j'ai 3 fils. J'ai un fil blanc et 2 fils jaunes. Alors, les fils. 3 fils blancs, 1 fil jaune. Tu coupes le deuxième fil. Allez. Maintenant, j'ai les mots, maintenant. V-E-R-S avec les... Alors, VERS, milieu droite. Milieu droite, c'est prêt. Je trouve
Parfait. Alors c'est oui, E tout seul, E, E, U, X, milieu, gauche, appui. Gauche, c'est bon. Droite. Alors après, prochain mot, c'est oui, O, U, I. Milieu, gauche. Milieu, gauche, putain. C'est quoi, milieu? Putain, j'ai pas. Milieu. Quoi? Là, c'est milieu. Ouais. Vide, prêt. Ah, vide, c'est bon. Troisième mot. J'ai mot, M-O-T-S. M-O-T-S, bas droite. Ton. Ton, ouais, mais lequel, le ton? T-H-O-N. T-H-O-N. Attends, ça... Putain, le réveil de merde, vas-y. T-H-O-N. T-O-N. Ouais. Oui, donc il y a ton, T-O-N. Suivant. Oui, c'est bon. Maintenant, le dernier truc, c'est la sorte, je sais pas, c'est des lettres avec des boutons au-dessus. En dessous de chaque lettre, il y a des boutons. Il y a des... Attends, il y a 1, 2, 3, 4, 5. C'est un écran vert, il y a 5 lettres. Et au-dessus de chaque... au-dessus et en dessous, il y a des boutons. Hein. Le mot de passe. Alors, sur le premier bouton, tu vas appuyer sur les flèches et tu vas me dire les lettres que tu vois. Moi, je vois... Alors, H, là c'est H. Après, c'est Z. Tu me dis. Après, c'est A. Flèches, tu me dis tous les après, c'est O. Après, c'est M, W, H. Je reviens depuis le début, là. H-O-M-W. Non, c'est... Alors, c'est H, Z, A, O, M, W. Voilà. La première rangée. Ok, la deuxième rangée. A, N, Y, G, U, X. Après. Refais le premier, la première lettre. H, Z, A, O, M, W, H, Z. Vas-y, le deuxième tu m'avais dit. A, N, Y, G. Ok, le troisième. T, C, U, Y, F, Z, Q, E, G, I, A. Et le cinquième. J, K, W, T, N, M. Tu vas mettre le mot matin. Ok. Tu as pu ça valider une fois que c'est fait. C'est bon, GG. Yes. T'es à 1 minute 60, ça va quoi. Ça va revenir. Ah, okay, c'est chaud. Écoute, une autre passe, c'est pas évident non plus. En plus, ça fait chier parce que tu sais, il y a un réveil qui sonne et il y avait la lumière qui s'éteignait aussi, tu vois. Ouais, ça c'est chiant aussi. Oh putain, pendant que vous parliez, déjà que j'entendais pas trop vos voix, j'entendais le réveil qui cassait les oreilles, genre. T'as déjà un peu augmenté votre son quand même, parce que de. Votre volume, parce que des fois je vous entends pas. Autour de la prochaine. Voilà, c'est bon. C'est pas simple. Non, c'est pas simple. En plus, tu vois, la façon dont c'est présenté, on a l'impression que limite c'est un problème de maths, c'est trop chiant. Oh putain. On va pas le présenter un peu mieux. Quelque chose a changé. Allez, 5 minutes, 3 modules. Je crois que 10 étoiles. 5 minutes, 3 modules, ok, ça va. Allez, c'est parti. Allez. On commence avec quoi? T'écoute. Putain. Il y a des câbles. Allez, il y a 4 câbles. Horizontal. 4 câbles, horizontal. Est-ce qu'il y a un fil rouge? Non. Non. Est-ce que le dernier fil est jaune? Non. Non. Est-ce qu'il y a qu'un seul fil bleu? Non. Non. Est-ce qu'il y a au moins 2 fils jaunes? Non. Non, tu coupes le deuxième fil en partant du haut. Ok, maintenant, pareil, des câbles, mais à la verticale cette fois-ci. Il y en a 6. Ah, le câble vertical. Alors, il y en a un, il est rouge et bleu. Putain, attends, il y a la lumière qui s'éteint. Alors... Putain, mais je vois rien. Tu vas me dire le premier fil. Tu vas me dire rouge et bleu. Les couleurs. Rouge et bleu, le premier fil. Le deuxième, c'est sorte de bleu. Non, juste le premier fil. Attends, il est rouge et bleu, c'est ça? Ouais. Oh la vache. Il est là. Est-ce qu'il y a une étoile dessous? Non. Ah si, il y a une étoile, le troisième câble, ouais. Sous le troisième câble. Je parle du premier fil. Le premier fil. Non, il n'y a pas. Est-ce que la lumière est allumée au-dessus? Ouais, c'est allumé, ouais. C'est allumé. Alors... Putain, mon dieu. c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là.
Tu m'as dit qu'il était rouge et bleu, hein, c'est ça? Ouais, putain de réveil, attends. Genèse, rouge, bleu, et la lumière est allumée. Donc c'est celui-là... C'est la merde. C'est compliqué, ouais, je t'avouerai. Est-ce que le numéro de série, le dernier chiffre est pair? Je regarde, putain, numéro de série. Alors c'est chiffre... non, impair, 3. Impair, tu ne le coupes pas. Deuxième fil. Deuxième fil, c'est bleu et blanc. Bleu et blanc. Il n'y a pas d'étoile, il s'allumait. Étoile ou pas? Non. Non, pas d'étoile. Lumière allumée? Oui, oui, oui. Lumière est allumée. Alors, attends. Donc, c'est ces deux-là. Donc, c'est celui-là. Est-ce que la... Oh, la vache. Est-ce que la bombe... Ah, attends. Comment on voit les bords déjà? Les ports. La merde. C'est dernier dans la merde. Bon, écoutez, on perd pas de temps. Vas-y, laisse tomber. Attends, oh, je couperai au pile. Au pif. Vas-y, le troisième jeu. C'est. J'ai les chiffres 1 et j'ai 34-21. Faut le noter. Ah, faut noter. 34-21 et c'est le chiffre 1. Attends. 34-21. Chiffre 1, c'est quoi? Tu appuies sur le bouton en deuxième position. Ok. Non, merde. 4, pardon. Vas-y, maintenant c'est le. Putain. Pardon, c'est 13-42. J'ai foiré sur l'esprit, excusez-moi. 13-42 et c'est le chiffre 4. 13-42, chiffre 4. Tu appuies sur le bouton en quatrième position. Ok. Maintenant, c'est 21-43. C'est le chiffre 1. Tu appuies sur le bouton qui porte le chiffre 4. Ok. Maintenant, c'est 21-34. Et c'est le chiffre 3. Tu appuies sur le bouton en troisième position. Ok. Maintenant, c'est... chiffre 4 et c'est 23-41. Tu appuies sur le même bouton qu'à la position à l'étape 2. C'est le cas. C'était 4. Ok. Et le dernier, maintenant, c'est le chiffre 4 et c'est 42-31. Tu appuies sur le même chiffre qu'à l'étape 3. L'étape 3, c'était 3. Ok. Maintenant, j'ai le câble. Maintenant, le deuxième câble, c'est bleu et blanc. Et c'est allumé et il n'y a pas d'étoile. Il reste une minute. Attends. Non, annexe C, putain, il faut que je dise annexe C. Oh putain. Putain, c'est quoi comme truc? Attends, j'arrive, je fais vite. Est-ce que sur la bombe, il y a un port parallèle? C'est un grand port avec point de point. Est-ce que tu as ça sur la bombe? Quoi? Oui, ouais, ouais, oui, oui, j'ai un port, ouais. Tu as le port parallèle avec le gros port? Oui, oui, j'ai un petit, là, c'est alors, un petit. Tu coupes. Je coupe? Tu coupes le deuxième fil. Le deuxième fil, t'es sûr? On parle bien du pont. Coupe. Je coupe? Comme dans les films. Non, c'est pas bon. Vas-y. Putain, reste sur toi, c'est ma dernière. Oh merde. Oh putain. Blou, c'est un serrateur que je... Ouais, bah coupe autre chose. Je suis mort. Vas-y, coupe. Je suis mort. Il va réussir. Oh la vache. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, gros. Quand il reste plus de temps, faut couper. Allez, vas-y, on recommence, putain. Allez, vas-y. Oh, vas-y, on recommence. Vas-y, maintenant c'est 23-41 et c'est le chiffre 4. Ok, il faut noter. Alors, 23-41, chiffre 4. Tu appuies sur le bouton en 4ème position. Ok. Maintenant c'est 43-21 et c'est le chiffre 2. Tu appuies à la même position qu'à l'étape 1. Donc en quatrième position. Ok, c'est bon. Après, maintenant, c'est le chiffre 3 et c'est 43-21. Tu appuies sur le bouton en troisième position. Ok. Maintenant, c'est le chiffre 3 et 34-21. À la même position qu'à l'étape 2, donc en quatrième position. Ok, et maintenant, le dernier, c'est 31-42 et c'est le chiffre 3. Chiffre 3, même chiffre qu'à l'étape 4. À l'étape 4, c'était 1. Ok. J'ai 4 câbles à l'horizontale. 2 jaunes, 1 bleu et 1 noir. Horizontale, ça va. Tu m'as dit 4 fils, c'est ça? Putain, attends, je le réveille. Ouais, 4 fils, ouais. Est-ce qu'il y a plusieurs fils rouges? Non. Non, est-ce que le dernier fil est jaune? Non. Non, est-ce qu'il y a qu'un seul fil bleu? Oui. Tu coupes le premier fil en partant du haut. Ok, ça c'est bon.
Maintenant, j'ai un jeu, c'est... Oh, c'est trop bizarre, il y a 1, 2, 3 et ABC. Et genre, c'est comme si tu reliais des câbles, quoi. Ah, c'est les diagonales. Oh, j'aime pas ça non plus. J'ai un câble bleu et un câble noir. Ouais, je vois. Alors, attends. C'est la merde. C'est la merde. C'est la merde, là. Non, c'est, je crois que c'est séquence de fixe. Séquence de fixe. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, donc... Le truc 14. Allez-y, ah, j'ai tout mon temps, allez-y. Alors, le premier fil, si qu'il y a le numéro 1, il est connecté à quoi? Au B. Le fil 1, il est connecté au B. Le fil 1 est connecté au B. Il est quelle couleur? Il est bleu. Et pareil, le chiffre 3, il est connecté au B et il est noir. Et tu le coupes le premier. Si qu'il relie bien au B. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Ok, le deuxième fil, il va de où à où? Le 3, c'est OB, c'est un noir aussi. C'est 3B et noir? Ouais. 3B, 3B noir. Tu le coupes. C'est bon. Ah, et il se passe rien. Tu appuies sur la flèche du bas, on va descendre. Du bas. Ok, c'est bon, voilà, nickel. Allez, maintenant, c'est le A rouge qui est relié au C. Quatrième, hein, c'est ça, numéro 4. Ouais, pardon, ouais, numéro 4 relié au C. Et le 6... Il est rouge? Ouais, et le 6 noir est relié au C aussi, oui. Le 6 noir. Sixième noir, il est relié à quoi? Oh, c'est pareil, comme le rouge. Tu le coupes aussi. Allez, je flèche du bas. Allez, c'est parti. Maintenant, ouais. Le 7, il est rouge, relié au B. 7 rouge, relié au B, tu coupes. Le 9, il est bleu, relié au C. Tu le coupes pas. Ok, je descends. Ouais. Non, c'est pas bon. Oh merde. Attends, tu m'as dit quoi? Le 9. 9 bleu. 9 bleu, au C. 9 blossés, mais faut pas le couper. 9 blossés. Et le premier? Hein? L'autre fil? Ben, je l'ai coupé, c'est le 7 rouge au B. 7 rouge au B? Oui, c'est bon, 7 rouge au blé, oui. Tu coupes, ouais. Et le 9ème, c'est bleu et il est relié à quoi? À la lettre C, 9. Mais le 8ème, attends, le 8ème, c'est quoi? Y'a rien. Ok. Ah, donc tu le coupes pas. Non, ça part. Oh putain, encore une fois, j'explose. Merde! On a bah, coupe bleu, descend alors. Bleu, descend. Si je descends, je meurs là. Coupe le bleu et descend. Ah, c'est bon. Ok, maintenant, putain, le 10. Oh putain, il reste une mine. Oh, le 10 rouge au B. Allez. 10 rouge. Le 10 câble rouge au B. Ah non, c'est les fils qu'il faut compter. Putain, je me suis gouré. Je me suis gouré. Il reste une étape et c'est bon. Fils, pas le nombre des numéros. Putain, il reste 17 secondes. Adieu. Adieu. Ouais. Je coupe au hasard. Adieu. Coupé, puis descend. Nico, c'est chaud. Okay, ouais, je suis mort. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. We'll be right back.